Alors, Jessica, quel conseil donnerais-tu aux prochains animateurs de la CJS? Ben, de choisir ses batailles, peut-être, parce qu'on ne peut pas tout faire dans l'été, puis ça peut devenir essoufflant. Oui, puis aussi, je vous dirais, préparez tout. Fait que comme ça, quand il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont être imprévues, vous allez être prêt à leur faire face. Donc, on vous souhaite bonne chance et un bon été. Et c'est ça qui est ça. Prenez-vous pas trop au sérieux non plus. Et n'oubliez pas, lâchez prise. Ben moi, je vous dirais de prendre vos congés. Vous allez accumuler beaucoup de temps supplémentaire. Ben, prenez vos congés, puis relaxez. Prenez une bière aussi de temps en temps. Aussi, on pourrait dire, au début de la CJS, peut-être soyez plus guide avec vos jeunes. Donnez des formations, arrangez-vous pour que ça avance. Les deux premières semaines, ça va être le rush, mais c'est normal. Puis une fois que ça va être parti, ben, déléguez davantage à vos jeunes. Puis faites-leur prendre en charge de plus en plus de choses un peu plus tard, mais moins au début. Pas trop dramatiser avec les jeunes. C'est des ados, ils vont être des fois chiants, des fois chialeux, mais prenez-les comme ils sont, puis aimez-les comme ils sont. Prenez tout avec un grain de sel. Les jeunes sont jeunes encore, ils apprennent à découvrir la norme. C'est quoi, alors? Laissez-les être. Moi, je pourrais dire, ma grosse erreur, je pense, dans la CJS, ça a beaucoup été de mettre beaucoup l'emphase sur la formation. J'ai pris beaucoup d'heures supplémentaires à préparer trop les formations, à faire trop de matériel, des cartons, des dessins, tout ça. En bowling, ça sert pas grand-chose parce que les jeunes, je pense que le but, c'est de faire une formation efficace, pas une formation hyper préparée, que ça t'a pris 30 heures à préparer. L'idée, c'est d'être efficace. Puis les jeunes sortent de l'école, je pense pas qu'ils ont envie de se faire une autre école à la CJS. Puis peut-être autre idée, dédramatiser, prendre les choses en riant, puis de pas prendre trop à cœur le fait que la plupart des jeunes sont blasés à cet âge-là, c'est normal. Et ça veut pas dire qu'ils sourient pas, qu'ils sont pas contents d'être là. Je voudrais vous dire que la CJS, OK, ça a peut-être l'air un peu stressant comme ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a un gros modèle CJS, le comité de la consultance qui a fait aussi beaucoup d'argent, les jeunes vont vous stresser tout le temps, vous allez faire plus que 40 heures semaine, même si vous êtes payé pour 35, mais c'est belle fun, la CJS. Faut pas stresser, faut juste apprendre à se faire du fun avec les jeunes, puis je suis sûr que ça va aller super bien. Oui, puis moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de voir vos jeunes comme... non seulement comme des coopérants, mais aussi comme des jeunes, parce que c'est ce qu'ils sont, puis... Ayez conscience aussi de tout leur milieu familial, puis de toutes leurs ambitions, puis leurs envies, puis même s'ils ont juste envie de parler de leur chum, puis leur blonde, écoutez-les, puis soyez là pour eux, puis vous allez vraiment réussir à triper comme ça. For next year, all I gotta say for you animators is one word, actually two words, don't stress. It may be stressful at times, but the kids, you gotta love them. Animators, make sure you guys have a good understanding, make sure you guys talk to each other, communicate. Other than that, you should have a very good summer. À Saint-Henri, la bicyclette, c'est pratique. Un cellulaire, c'est pratique. Hey! La prise en charge, c'est pas au début. Et aussi, à Saint-Henri, il y a des super divans. Prenez le temps de vous asseoir avec les jeunes. C'est très, très rigolo. Endormez-vous pas dedans. Parce qu'ils sont vraiment très, très confortables. Bon été. Amusez-vous bien. Vous avez une opportunité extraordinaire de vous rapprocher de votre quartier, de votre métier, puis de vos ambitions. Profitez-en. À la CJS RDP, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ne pas stresser. Parce que vous allez être sûrement très stressé. Il n'y a pas de comité local, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de chat, il n'y a personne, il n'y a rien. Mais vous allez apprendre à vous débrouiller dans un milieu. Vous allez être seul, seul au monde. Mais vous allez triper, vous allez les aimer, vos jeunes. Ils sont drôles, ils sont fatigants, ils jouent aux cartes, ils jouent au billard. Mais ça vaut tellement la peine, là. Ça vaut vraiment la peine. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Gardez votre expérience, puis faites en sorte. Puis faites en sorte que ce soit une des plus belles expériences de votre vie. Ça vaut la peine. The whole point of this experience is to let the kids, you know, make mistakes and get up and, you know, learn from their mistakes. I am rambling like crazy. I'm gonna pass you to... On peut vous dire, enlevez-en sur vos épaules, OK? Ça va devenir vraiment lourd à la fin. Apprenez à les laisser faire. Puis, the most important thing is to have fun. Yes. D'avoir du plaisir. Pensez toujours positif. Soyez là pour les jeunes, le comité, le parrain, amusez-vous avec Brian aussi, il est super gentil. Soyez pas trop sérieux, lâchez votre fou. Dans le fond, là, ce qui est important, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Puis que ce beau projet-là, là, ben dans le fond, c'est leur projet. Oh, I'm sorry. 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 I'm
chat. Oh, lisse!